Mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog où d'un côté nous sommes samedi. Je le vois, là mon horloge qui se trouve ici. Vous voyez à quelle heure que je vous reprends, que je vous prends. Il est 22, non, il est 20h19. Alors autant vous dire, je vous ai plus repris depuis. Je vous en parle même pas. Il s'est passé énormément de choses depuis, je crois que c'est la semaine passée que je vous ai fait une vidéo un peu blabla, un peu de tout, de tout, de tout, de tout. Il s'est passé quelque chose, voilà. Côté salle à manger, rien, hein, toujours rien, vous voyez, c'est toujours nickel. Par contre, on avait reçu, j'ai reçu les papiers pour mes enfants, eux, partir en voyage. Vous savez bien que ma fille part au spécial olympique mercredi de ce mois-ci. Donc, ils partent mercredi à 19h. Ils doivent être au démarrage du car pour partir au spécial olympique. Donc, il y a ma fille et mon fils Brandon. Autant vous dire, malheureusement, je sais très bien que beaucoup d'entre vous, je vous avais dit que je vous ferai la valise de voyage complète de ma fille et de mon fils, mais les valises ont été faites. Ma fille l'a fait elle toute seule, donc elle a préparé sa valise avec ses culottes, ses chaussettes, ses pantalons, tout compris là-dedans, pyjama et tout et tout. Là, c'est là où il y a sa couverture, son drap de lit, son coussin, sa couette, sa tête d'oreiller. Et tout ça, coin, coin. Là, c'est la valise de son frère où il y a la même chose que chez elle. Et au-dessus de la valise de son frère, c'est la même chose que sa sœur qui se trouve là avec drap de lit, couette et tout ça, coin, coin. Et à l'aise, car lui a besoin d'une à l'aise. Voilà, donc eux ont déjà leur valise comprise. Autant vous dire, la valise doit partir pour mardi. J'ai dû aller chercher une gourde à, comment, à Action. Ma fille s'est achetée cette gourde-ci, voyez, avec un petit truc dedans pour... si au cas on met des fruits dedans, ou quoi que ce soit, des jus avec des petites plumes dedans. Et pour mon fils, il est ici, j'ai mis de l'eau dedans. Je lui ai acheté une gourde ainsi, donc j'ai retiré le dessus. Mais le dessus, c'est un truc à 1 euro. Hein. C'est une gourde comme ceci. Pour lui, il y a largement assez. Oui, le soleil me tape dessus, le soleil derrière. Et autant vous dire, j'ai acheté aussi pour les insectes. Alors, c'est une pommade. Autant vous dire que quand j'ai vu ça à Action, direct, j'ai dit, je vais leur prendre. Et j'ai pris cette pommade-ci à Action. Elles vont hyperbement bien. Je vous avoue, mes amis, si vous voulez prendre une fois ces produits-là, vous n'avez jamais pris parce que vous avez toujours gratte-gratte sur les insectes, quoi que ce soit, prenez ces produits-là. Alors, autant vous dire que moi, ce produit-là, dès que l'insecte me pique dessus, je mets direct sur le bouton. Sur le bouton, direct. Et on se gratte plus. Et par contre, ça, c'est pour ceux qui ont toujours des démangeaisons, gratte. Donc, on a acheté ça. Ma fille a pris des masques et tout. Et voilà. Alors, je vous reprends. Je vous prends aujourd'hui. Autant vous dire, aujourd'hui, il y aura un live. Mais bon. Ça n'a pas été prévu. Depuis le temps que j'ai plus fait de live, ça fait 2 semaines. D'habitude, j'ai toujours dit que je ferai un week-end sur deux. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que j'ai plus fait de live. Depuis le ramadan, je me dis, je vais faire un live. Donc, bien sûr, vous n'aurez pas été au courant. Mais sur Instagram, je ferai une photo, comme j'ai toujours fait, quand il y a un live. C'est tout. Par contre, aussi, autant vous dire, cette vidéo va durer 2 jours. Donc, elle dure fin de cette journée où je vous explique un petit peu le tout. Et demain, il y a une journée, une grosse journée famille.
Donc une journée famille, famille. Donc je vais vous faire visiter la journée famille qu'il y a au sein de chez nous, hein, où vous allez voir qu'il y a des voitures de la police, où il y aura la police qui va être là pour où la police va être là pour que les gens puissent tester une fois qu'est-ce qui se passe quand on fait quand il y a un accident, que la voiture elle fait des tonneaux, ou quand on arrive sur une descente et qu'on fonce dans quelqu'un, les chocs qu'il peut avoir. Il va avoir les pompiers qui vont être là. Il y a un petit peu toutes sortes, donc vous allez voir tout ça. Et on va un petit peu s'amuser, un petit peu de ce qu'il y a là-bas, un petit peu dans les stands, boire un petit verre de boisson là-bas, aller aider un petit peu certains les gens que nous on connaît. Ma fille compte aussi demander pour travailler à certaines personnes parce qu'il y en a qui sont là qui vont être pour demandeurs pour être engagés, donc d'enquêter ou pour voir pour ceux que ça leur plairait pour aller à la plaine, faire des voyages, des activités pour les enfants, quoi que ce soit. Donc ma fille va aller s'inscrire le plus vite possible et voir si elle peut à certains endroits. Maintenant qu'elle a 18 ans, elle peut se le permettre, hein. Voilà, donc demain, autant vous dire, il y aura ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, autant vous dire. Ma fille, donc, bien sûr, part le 25. Le 26, c'est un jour férié, c'est un jour où ma fille sera déjà partie. Moi, le 26, ce que je vais vous faire, ça va être une journée vidéo avec le rangement total de toute la maison. Voilà, toute la maison. Où je vais refaire le drap, les draps dans ma chambre, où je vais changer les lits, changer les draps de lit, pardon, de chez mon fils, de chez ma fille, préparer le lit pour les enfants, dire de mon autre fils, pour quand il va revenir du spécial olympique. Ça veut dire, autant vous dire que mercredi, ça va être la journée gros. Non, pas mercredi. C'est jeudi? Jeudi? Attendez, je vais vous dire tout de suite. Oui, ce sera jeudi. Jeudi, ça va être la grosse journée nettoyage de toute la maison. Je vais commencer par en haut et je vais finir par en bas. Comme ça, vous aurez une vidéo journée de ménage où je pense que je vais passer un petit coup de loque, pardon, sur les carreaux. Car les carreaux, je vous avoue, mes amis, ils sont dégueulasses. Dégueulasses. Ça demande vraiment à être lavé. Bon, ici, on ne le voit pas. Devant, ça peut encore aller. Mais en haut, là où il y a ma chambre, c'est dégueulasse. Mais alors là, dégueulasse. C'est pour ça que je me dis que quand je vais nettoyer les carreaux, je nettoierai ceux de devant le matin. Pourquoi? Parce qu'au matin, le soleil n'est pas devant, il est derrière. Et en soirée, comme ici maintenant, je ferai sens contraire. Je nettoierai derrière les carreaux, comme ça c'est propre, parce que l'après-midi le soleil est devant et l'ombre est derrière, donc ce serait un minimum de là. Donc on va faire ça, et le 27 ce sera une autre journée vidéo que je vous ferai aussi du spécial olympique, car je vais vous faire voyager à travers l'univers de mes enfants, où d'un côté nous allons prendre le train. Donc, on va marcher de chez nous jusqu'à la gare. De la gare, on va prendre jusqu'à Louvain-la-Neuve, parce que, autant vous dire que c'est à Louvain-la-Neuve que ma fille va jouer au spécial olympique. Et de là, nous descendons de Louvain-la-Neuve
Et on va direct, tout droit jusqu'au spécial olympique. Il y a maximum 16 minutes à pied jusqu'au spécial olympique. Donc on va aller voir. Je crois que le premier jour, c'est ma fille qui joue en premier, je crois. Ce jour-là, le jour qu'on va aller les voir jouer, hein. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc on ira voir premier. Attendez. Oui, parce qu'on a reçu une farte avec tout compris dessus. À quel moment les enfants jouent, à quel moment, donc quand ils jouent, à quelle heure, à quel moment. Voilà. Donc à quel moment, c'est quand ils jouent. Hein? Vous me voyez pas fort avec le soleil, mais c'est rien, vous m'entendez, c'est le principal. Donc, si je ne me trompe pas, voilà. Alors, le 27, qui est le jour où on ira voir ma fille et mon fils, vous serez en train de m'assister à ça, hein? Je vais vous faire assister à ça. Alors, ça sera ma fille donc qui va jouer en premier, donc on pourra aller les voir. Autant vous dire, ma fille est appelée à 11h10 et elle finit à 11h40. Puis ensuite, on va voir son frère. Donc son frère que lui, il fait que courir. Il doit être prêt pour 13h35 et finit à 14h05. Donc lui, il court qu'une fois pour le jour qu'on vient. Et alors ma fille, elle est rappelée à 14h30 et elle finit à 15h. Donc, voilà, elle finit à 15h. Donc, dès qu'elle a fini de jouer, nous, à ce moment-là, parce que dès qu'elle a fini de jouer au moment de 15h, ça va quand même vite. Hein. Ils jouent quand même bien assez. À un bon moment, ils auront fini. Il sera 16-17h, vous voyez, un genre ainsi. 16-17h, comme ça. Ah ouais, ils jouent. Je crois que c'est une heure ou une demi-heure qu'ils jouent. Une demi-heure à table qui joue quand même. Et alors, bon, dès qu'ils ont fini de jouer, ma fille, elle retourne à son hôtel. Et c'est à ce moment-là que je vais quitter ma fille. Et moi et mon fils, on reprendra le train pour retourner à notre petite maison. Et ça, vous allez visiter tout ça avec nous pour le 27 de ce mois-ci. Donc voilà, allez, moi d'un côté, là maintenant, je vais vous laisser. Je vous reprendrai demain avec une journée un peu plus spéciale. Autant vous dire, ça fait 4 ans qu'il n'a plus eu ça chez nous. Et je vous laisse visiter ce fameux balade qu'il va avoir de fête famille. Allez, à demain. Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, nous nous retrouvons le lendemain matin, comme prévu, il va être bientôt 10h 10h et nous arrivons tout doucement à l'endroit que je vous ai parlé Je rappelle. en live de qu'est-ce qui va se passer. Alors ici, bon, bien sûr, ben, il y a le football en ce moment aujourd'hui sur le terrain. Ici dehors, il y a le football. Et autant de voitures. Il y en a encore, hein, vous allez voir. Hein. Vous voyez ici déjà, le long de moi, ce n'est que des voitures. Et on en passe. C'est rempli de choses. Allez, je vous reprends tantôt.
Bien ça. Et la salle elle va être remplie.
crever. Bon, les amis, on a fini. Hein, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Ouais, enfin. Regardez, hein. Il n'y a plus personne. Mais par contre, moi et ma fille, nous sommes fatigués. Alors pourquoi? On n'a fait que travailler. Et je vous dis, on a les pieds en compote. La salle était bombée, maintenant la salle est dégueulasse. Elle était propre, elle était dégueulasse. Ça, on s'en fout que la salle elle était dégueulasse, qu'elle était propre, que ce que tu veux. Mais on a tout fatigué. Bon, je ne vous ai pas filmé quand il y avait du monde, mais je vous ai filmé tous les stands qu'il y avait, tout ce qu'il y avait, ce qui s'est passé, le délire qu'il y a eu. Donc j'ai profité avant qu'il n'y avait personne pour vous filmer. Au moins, vous avez vu que qu'il y a eu, et autant vous dire, cette année, ça fait 4 ans qu'il n'a plus eu ça au monde. 4 ans, mes amis, 4 ans qu'il n'avait plus eu ça. Alors, moi et ma fille, nous avons travaillé et on a encore demandé au fourneau pour le mois de janvier. On retravaille encore, et oui, on nous a demandé de revenir pour faire tout ce qui se passe, ce qu'on a fait aujourd'hui, de refaire là-bas. Mais on nous sommes cassés. Donc demain, j'ai vidéo aujourd'hui de fête un peu spéciale qui est fête de famille. Vous aura plu, hein. Autant vous dire, moi, elle m'a énormément plu parce que je suis crevée. Il a fait hyperbement chaud. Regardez, le ciel, il est bleu, bleu de chez bleu. Mais il a fait très, très, très lourd. Et du monde, on en a eu du monde cette année. Je vous le dis, c'est fatigant. Donc, non, moi non plus. Moi non plus. Je t'avoue, moi non plus. Mais bon. Allez, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un prochain vlog, car il y en a un bientôt, hein, jeudi qui arrive. Il y en a un bientôt. Et voilà. Hein. Allez, à bisous à tous. Bye bye.